Le nain de la montagne. En fait, à partir du village, tu prends directement vers le quoi? Vers le sud. Et tu tombes directement dessus. Et comme je dis, t'as tellement bifurqué vers l'est. Vers le. Vers l'est, ouais. Ah, j'ai plus de nourriture, Ah, j'ai mon menu qui est devenu tout noir. Attends, je vais te filer à bouffer. aïe. T'es Je pas... meurs, petite T'es bête. passé où du coup de... Mais, j'ai le temps de prendre 3 patates et je t'ai perdu. Je suis derrière toi. Tiens ici, tiens ici. Viens. Bah, calme-toi 2 secondes que je puisse te donner à manger. Tac, 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 voilà, 3 patates. Ah, Tiens, je te refile le même micro sur la ah, tronche. ah, 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 Mais c'est... Comme je dis, c'est quand même embêtant qu'il n'y ait pas autant de mobs. Parce que en fait, on l'a croisé quoi? Il y a une vache là, t'as croisé un mouton, un ou deux poulets. Et du coup, ben, à part de la viande de zombie, c'est pas bouffé grand chose, hein, quoi. Voilà, bon, bah, si... Mais il a fait le fou! Ah bah tu me Mais connais par pas contre, pour un encore? caméraman, c'est quand même hyper dur de suivre quelqu'un dans une forêt. Dans une jungle. Déjà en forêt, c'est chaud, mais alors en jungle, c'est... Surtout avec moi qui va super rapidement dans la jungle. Ouais, bah oui, mais t'es un vrai petit singe, hein. Ouais, alors normalement là je devrais le voir. Ah, je le vois. Salut le squelette! Elle est passée à 200 mètres de moi. Oh, un petit creeper qui me suit. Je vais essayer de les faire s'affronter. Voilà. Oh, Et bah, c'est à ce moment-là j'ai qu'il t'explose à la figure. Mais tu as pété ton épée en bois comme t'es là ou pas? non. T'as bu quoi? Je t'ai vu boire quelque chose? Bah, la potion vitesse qu'il y avait dans la maison de la sorcière. Ah, c'était pas malin. Pourquoi? Je t'ai dit avant de commencer l'enregistrement que tous les objets que j'avais disséminés sur la map étaient utiles. Bah, c'est utile. À certains moments de l'histoire. Bah, là, c'est utile. Ah! J'ai tout fait péter! Oh non! Je me retrouve en dessous d'un feuillage. Pas de chance. Oh, mais je suis passé juste à côté, ça m'énerve. Ah ouais, À je te dis, côté de t'étais sur l'arbre juste à côté. ce creeper, mais mais il est tout petit. Il est tout petit. T'as vu par rapport au village d'Amazon. Donc voici le Ah, temple. bien. Et notre but. Oh. Alors. Ah, un coffre. Un bâton, ça Liberty, peut. mets tes lunettes et lis-nous tout. Il est peur. Mais comment il triche? T'as même pas lu le livre. Bah, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre, t'es sûr? Ah, ou alors Oui. c'était avec le livre des Amazones. Ils t'ont dit quelque chose? Ils t'ont dit ce que tu devais Non, ça. faire ou... Alors, livre numéro 6. Vous gravissez les marches sacrées du temple, vous ne savez pas comme de... Comment? Ouais, enfin bref. T'as marqué comme de... Ouais. Ouais, bon, alors, comment faire l'offrande? Vous déchiffrez tant bien que mal une fraîche murale et comprenez Une fresque. qu'il faut placer l'offrande sur l'autel d'or en vous tenant sur la de lumière. Ouais, et en fait, en mettant l'offrande, eh bien, on tombe directement dedans, c'est ça? Ouais, c'est le but. Donc tu te mets sur la pierre de lumière et puis tu jettes
La pépite. Tricheur. Ah, il fallait la jeter. Bah le but c'était ça, mais j'aurais dû bloquer l'espace pour qu'on ne monte pas dessus, comme tu viens de le faire. Oh, mais de toute façon, mais dans quel piège sommes-nous tombés? De toute façon, même avec même en mettant la pépite, ça va pas être comme ça. Avec la pépite, ça serait pas... Si, si, c'est une plaque de pression en bois. Donc tu mets la pépite et ça active la plaque de pression, donc tu tombes. Vous tombez dans un piège, après plusieurs mètres de chute, vous arrivez dans un petit bassin et observez un tunnel et décidez de l'emprunter. J'aurais dû faire des tunnels plus grands pour qu'on ne voit pas dans le fond. Mais qu'est-ce que tu penses de la petite végétation ici? Là, j'ai même pas vu. Pas mal, hein? Bah, c'est vrai que quand on vient là, on voit un coffre, hop là, on le voit, et là, on voit un tunnel, on y va, on veut pas regarder derrière. C'était juste pour planquer la flotte qu'il y avait derrière. Parce qu'on est... je suis pas descendu assez bas. Le courage, mais tu vas en mettre combien des livres? Ah, mais il y en a partout, avant chaque truc. Hein. C'est indispensable à tous ceux qui veulent conquérir le monde cubique. Moi, je veux pas le conquérir, moi, je veux le... explorer. Alors si jamais, comme tu as constaté, il y a des épreuves, donc tu peux planquer ton stuff, si tu tiens. Ce que je te conseille de faire vivement. Donc je disais de planquer ton stuff, hein. Et je l'ai fait. Bah, t'es encore habillé. Dis-toi que tout ce que tu trouves dans les coffres va être utile pour le reste de l'aventure. Hein. Donc si tu le perds, comme la potion tout à l'heure, c'est bye, quoi. Et je l'avais oublié ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait une potion, c'est pour maintenant. Oulala, 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 c'est un vide sans fond. Bon, le coup de la laine noire, ça marche pas apparemment. Ok. Je me suis dit, hey, tu sais que en fait, quand t'es dans l'eau, on dirait vraiment un fond, mais quand tu t'approches. Mais, mais comme ça, on dirait vraiment un truc, mais. C'est vrai que ça fait bizarre de l'avoir complètement, quoi. T'as l'impression d'être dans la seconde, troisième dimension. Mais moi, j'aurais dû faire un piège, tu vois. J'aurais dû mettre une laine noire au début et puis après vraiment un trou. Ah oui, par contre là. Ah, c'est pour ça que t'as mis la trique de vitesse. Et bien, bon, allez. La dextérité. La dextérité, tu dois avoir... Tu dois avoir sauté et contrôlé tout. Tu dois. Hein? Et ouais, à la manière de Yoda. Bon, je m'en fous de ton livre, alors je le jette au feu. Aïe, je me suis pris le mur. Et je ratterris dans l'eau. Attends, TP-toi à moi. Et viens voir où on atterrit. Ouais, mais si je me TP à toi, je sais plus te TP ici à l'intérieur. Non, mais je peux faire ce flashback. Hein. Bah attends là, je vais arriver, on va rigoler ça. TPI. Ouais, tu m'as TP à toi. Ouais, pardon. T'as oublié de faire TP. Ouais, non, mais ouais, j'ai fait la commande inverse, c'est pas grave. Mais... Et ton mur, il est pas assez haut. Si, si. Non, non. Bon, TP toi à moi maintenant. Tu fais TPA. C'est bien. T'as vu, j'ai atterri. Ouais. Alors on voit qu'il y a des bugs de lumière dans l'eau. Non, c'est parce qu'il y a de l'air. Ouais, mais justement, en fait, c'est que j'ai développé la map en 1.4.5 et j'avais le mode Coral Reef. Et ça se voit. Ça crée donc du corail. Et fatalement, bah, en passant dans les autres versions sans mode, bah voilà, ça crée de... Là, normalement, il devrait y avoir du corail, c'est ouais. Ça voilà. Il devrait y avoir des blocs de corail et des plantes aquatiques dessus, qui rend super bien. Alors, quand je fais flashback, ça me ramène pas au temple. Non, mais moi, ouais. Donc, je vais te TP à moi. Non, tu es devant le temple, là, en fait. Je vais te ramener Ouais, mais il est pas assez haut ton truc, on peut pas sauter, regarde.
Ah ouais, non, tiens. Bizarre. Ah, il y a même une échelle. Mais ça a que dalle, ton échelle. Ouais, non, mais c'est pour remonter si jamais t'arrives à survivre. Il est pas assez haut, ton mur. Regarde, je peux pas sauter. Ah bah écoute, comme c'est un fail, je vais te TP à moi de l'autre côté. Ah non, c'est mort, regarde. Ah oula. Ouh. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, désolé. Pas bien, pas bien. Tricheur, tricheur. Bah donc, va falloir que tu refasses ton plafond. Ouais. Mais c'est bizarre parce que au test, ça allait très bien. Mais en fait, je crois que... Ouais, j'ai mis... En fait, j'ai calculé deux piliers au-dessus de la lave, alors que c'était deux piliers avec la lave. Donc voilà, là... Il n'y a même pas de lave dans tes dispensers. Donc ici, en fait, tu devais prendre la potion de vitesse pour aller plus vite et pas de flèche. Et en fait, il n'y a pas de flèche. Ouais, non, mais c'est ça la conversion de la map que... Là, on a le briquet. Ah non. Ah oui, le deuxième bouton pour le truc. Waouh. Le deuxième bouton. Les... lis le livre. Vous avez passé un succès les épreuves et mérité de récupérer dans son socle de pierre épée d'or de Decula. Vous recherchez une issue et allez miner un peu de charbon dans la mine à ciel ouvert. Qui se trouve là où la lune se couche. Et je peux pas miner, faut que je retourne en arrière. Et par contre... Ah oui, le bouton, il faut le mettre là, c'est ça? Je ne dis rien, moi, vas-y. Essaye. Waouh. Ouais, donc en gros, va falloir que je trouve un autre bâton pour... un autre bouton pour la porte en fait, ouais, c'est ça? Ouais, pas de chance. Hein. Hé, t'as mis une couronne, t'as pas le droit. Bah, moi je filme. J'ai bien ma couronne. Voilà. Bon. Est-ce que tu vois à peu près où tu es? Non, mais je vais regarder ça tout de suite. Alors je ne sais pas si on voit le village d'ici. Ouais. Quoi, va falloir que je retourne au village? Non, non, non. Mais on voit le village d'ici, donc tu devrais savoir te t'orienter. Surtout qu'on a la map grâce au launcher. Du coup, je t'ai perdu. Ah non, tu es là aussi. Donc de là où ce que tu es, tu devrais voir... La mine à ciel, mais ça veut rien dire. Une mine à ciel ouvert. À quoi cela pourrait-il correspondre? Parce que c'est pas le but. Dans le sol. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je peux voir les logs. T'as fait un flashback. Sans herbe. Bah non. Et là où la lune se couche. Mais je vois pas la lune. Bon bah je te ramène lorsque t'étais du coup. Mais t'es où? L'ouest. L'est. Ouais, j'avais raison. Non, l'ouest, c'est par là.